Tan 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 tan. Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau Vlogmas. Pourquoi je ne regarde pas la caméra pendant que je dis tout ça? Tout simplement parce que je mettais la bonne date sur mon petit Père Noël. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va bien, je suis en pleine forme aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai pris ma vitamine D. Alors, j'ai complètement oublié de la prendre lundi et... Eh bien, hier soir, j'ai ressenti un coup de pouf et je me suis dit, bah, c'est bizarre de ressentir ça tout d'un coup. Ça allait très bien et là, pouf, tout ça parce qu'il fait noir. Alors que les autres jours, ça ne m'affectait pas autant. Et c'est là que je me suis dit, mais Ludo, t'as pas pris ta vitamine D lundi. Voilà l'explication, donc je l'ai prise et ça va mieux. Voilà, donc je suis en pleine forme, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Et eh bien ça tombe bien parce que c'est toujours mieux de filmer un petit vlog quand on est de bonne humeur que quand on tire la tronche comme ça. Quoi vous dire de spécial? Eh bien rien de bien particulier. Je n'ai pas fait de diamond painting depuis hier. Par contre, ce que j'ai fait hier soir, eh bien c'est que j'ai lu comme prévu. Alors j'ai pas lu énormément. Parce que, d'abord, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec papa, à faire des colos avec Pilou. Et donc, j'ai lu... Je suis arrivé page 50. Et je pense que j'étais page 25. Donc, j'ai lu 25 petites pages. Mais c'était assez pour avancer d'un chapitre. Alors, je vous avais expliqué que dans le premier chapitre, on suivait les parents, Suzanne et Michael, qui étaient randonneurs dans les montagnes en Écosse et compagnie. Et là, on est avec les enfants. Donc, il y a eu d'abord un chapitre consacré à Bess. Et j'ai commencé le chapitre suivant qui est consacré à Anna. Alors, elles sont toutes les deux très différentes et c'est super intéressant aussi. Bess est mariée, elle a deux filles, elle ne travaille plus, elle a dû mettre sa carrière en pause pour s'occuper de ses enfants. Anna, quant à elle, est ce qu'on appelle, je ne sais pas trop si c'est péjoratif ou pas, une working girl. Alors c'est peut-être sexiste de dire ça parce qu'après tout, quand c'est un homme, on dit pas que c'est un boy work. Enfin bref, on la nomme working girl dans le roman. Et Anna est très c'est pas qu'elle a peur des enfants, c'est qu'elle se sent très mal à l'aise avec les enfants parce que Anna est quelqu'un qui aime tout contrôler, que ce soit dans son travail, dans sa vie, dans ses sentiments, etc. Et quand elle se retrouve devant des gosses, ben, des gosses, c'est tellement imprévisible, spontané, etc., qu'elle se sent mal à l'aise parce qu'elle n'arrive pas à contrôler les gosses comme elle voudrait. Et donc, elle évite au maximum de rendre visite à sa sœur et surtout de se retrouver devant ses enfants. Parce que bah elle se sent pas bien, elle se sent donc Bess est contactée pour avoir un nouveau boulot, mais elle hésite non seulement parce que elle se sent plus capable, elle a arrêté de travailler pendant 7 ans et donc elle se demande si après 7 ans elle a toujours les compétences qu'il faut, etc. Mais surtout parce que son mari travaille et que ben si elle se remet à travailler, qui va s'occuper des gosses? Et rien que pour l'entretien d'embauche, elle se demande comment elle va faire parce que son mari est justement dans une semaine très chargée et elle sait d'avance que son mari ne va pas pouvoir s'occuper des deux filles pour qu'elle puisse aller à l'entretien d'embauche. Et de l'autre côté, Anna, alors là j'étais au tout début du chapitre, mais c'est le genre travail. Elle n'est pas très famille. Le Noël d'avant, elle a trouvé une excuse pour pas le faire en famille. Et voilà. J'ai beaucoup aimé Bess. Anna, j'ai un peu de mal à la comprendre parce que on sent qu'elle n'est pas méchante, on sent que bah elle n'évite pas sa famille et ses nièces par méchanceté,
Mais d'un autre côté, elle fait tout pour ne pas être avec sa sœur, pour ne pas être avec sa famille, pour ne pas être avec ses nièces, et je trouve ça ben méchant. Même si c'est pas son but et même si c'est pas ce qu'elle veut, je la trouve très méchante. Et voilà. Et puis je pense aussi que c'est toujours quand on a de la famille qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, je pense, parce que moi, j'en ai pas de famille, hein. Vous le savez, je n'ai que mon père, j'ai des tontes et des oncles, des tantes et des oncles et compagnie, mais je les connais pas du tout, je les ai plus vus depuis l'âge de 5 ans, et je pense que parfois, ça serait bien d'avoir de la famille, quand même. Alors, je me sens pas seul, je me sens pas malheureux, et tout ça, je m'en passe très bien, parce que j'ai toujours vécu sans, donc voilà, mais je pense que quand on a la chance d'en avoir une, il faut faire un peu l'effort de voir sa famille parce que c'est important. Voilà. Surtout les mamans. Parce que moi, j'ai vécu sans maman. Et je peux vous dire que même à 30 ans, il y a certaines situations où je me dis, là, il y a une maman qui manque. Voilà. Parce que mon père a beau être le meilleur père du monde. Il m'a élevé tout seul et tout ça. Et enfin, mon père, c'est mon héros, mais il y a certaines situations où je ressens parfois le besoin d'une maman, voilà. Et donc, voilà pour la lecture, ce matin, je vous prends assez tard, je ne sais pas si je vous ai dit l'heure qu'il était, il est 14h, et je vous retrouve plus tard, pourquoi pour rien de particulier, si ce n'est que j'ai un petit peu glandé ce matin. On a été faire les courses, on a promené Pilou et tout ça comme d'habitude. C'est le dernier jour de travail de papa, demain il est en congé, ça va être cool. Mais quand on est rentré, j'ai glandé un peu, j'ai joué à la tablette, j'ai traînaillé sur internet, sur les réseaux sociaux. J'ai fait des stories parce que, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais dans mon roman, les héros viennent de se disputer un petit peu et tout ça, et ils vont partir en week-end, sauf que j'hésitais sur la destination où ils allaient aller, parce que la destination ne change rien, la seule influence que va avoir la destination, c'est les activités qu'ils vont faire sur place. Et donc j'ai fait des stories pour faire choisir les abonnés entre, qu'est-ce que j'avais mis, Los Angeles, Las Vegas, Aspen et Miami. Et donc j'avais mis les 4 villes, et là c'est le gagnant de chaque sondage qui est face à face, et donc c'est Los Angeles ou Aspen. Donc comme ça, voilà, je trouvais sympa de faire participer les gens. Et donc j'ai fait cette story-là, et puis j'ai regardé un téléfilm de Noël qui passait à la TV sur TMC. Donc là, il est 14h et j'ai encore rien foutu. Pourtant, j'aimerais bien faire quelques trucs. Il faut que je monte et que je mette en ligne la vidéo sur les souvenirs de Noël. Je vous avoue que j'ai un peu les pétoches. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur la chaîne. Et je me demande si déjà ça va plaire, si les gens vont pas se dire « mais qu'est-ce que ça fout sur la chaîne de Ludo ?» Si elle est intéressante, si les gens vont pas s'ennuyer devant, etc., etc. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est ma chaîne, donc j'en fais ce que je veux, après tout. Et de deux, j'ai envie de faire des vidéos qui ont encore moins à voir, parce que là, c'est une vidéo sur Noël, on est à Noël. Bon, on est dans le thème, mais parfois j'ai envie de faire des vidéos qui n'ont strictement rien à voir. Et je me dis, si j'ai envie de le faire, pourquoi je le ferai pas après tout? Voilà. Ceux qui n'aiment pas, ils regardent pas la vidéo et puis c'est tout. Hein? Voilà. Après ça, je dois faire le montage du vlog numéro 6 parce que je me suis rendu compte que il faut absolument que je mitraille les vidéos cette semaine-ci. Parce qu'il faut absolument que je sois à jour dimanche, parce que dimanche, je tourne le premier Vlogmas journalier, et donc à partir de lundi, il y a un Vlogmas tous les jours. Mais donc, ça veut dire que d'ici dimanche, je dois être en ordre. Et donc, d'ici dimanche, on est mercredi hein, quand même, il faut que je mette la vidéo Souvenir de Noël et 3 vlogs, puisque j'en ai déjà 2 qui sont faits, plus celui-ci. Donc, il va falloir bosser, donc je vais travailler là-dessus aujourd'hui, j'aimerais bien avancer encore un peu sur mon DP, et puis tant qu'il fait clair, j'irai vite faire 2 photos Insta, parce que j'ai 2 photos Insta à faire, et puis voilà. C'est le programme de cet après-midi. Du coup, je pense que je vous ai tout raconté, tout ce que j'avais à vous raconter. Je vais donc vous laisser, et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Hey les amis, je vous retrouve pour continuer ce petit vlog et je vous retrouve, on est jeudi 19 décembre et il est 17h25.
Ça fait donc plus de 24 heures que je n'ai pu tourner pour continuer ce vlog. Bah alors, dites donc, Ludo, c'est pas très sérieux tout ça. Tu fais un vlog et tu tournes pas pendant 24 heures. Alors, en fait, si je n'ai pas tourné, c'est pourquoi? Eh bien, hier, c'est parce que j'ai de une pas vraiment eu le temps et de deux, j'avais pas grand chose à vous raconter. Alors, j'ai pas eu le temps parce que j'ai pas franchement arrêté hier et surtout, j'ai fait des choses qui fait que voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte là-dessus? J'ai monté deux vlogs, enfin deux vidéos. Puisque j'ai monté la vidéo souvenir de Noël et j'ai monté le vlog numéro 6 pour pouvoir le mettre en ligne aujourd'hui. J'ai mis en ligne la vidéo souvenir de Noël. J'ai fait 3 photos Insta, j'ai publié 3 photos Insta, j'ai commencé à chroniquer les craques monstres, plus manger, plus promener Pilou et la journée était finie. Alors, ça n'a pas l'air grand-chose comme ça, mais je peux vous assurer que ça m'a pris toute la journée. Bah, vous comptez 1h30 pour monter le vlog, 1h pour monter l'autre vidéo, 1/2 heure pour mettre en ligne la vidéo souvenir. Vous comptez 1 heure pour faire les 3 photos Insta parce que j'ai galéré, parce que j'ai fait la photo d'un magazine et pas moyen d'avoir ce purée de magazine net. C'était tout le temps flou. Vous comptez un bon 3/4 d'heure, 1 heure pour mettre les 3 photos en ligne, vous comptez un bon 40 minutes pour manger, 1/4 d'heure pour promener Pélou, et bah voilà, hein, en sachant que j'avais commencé à 14h, et bien j'ai eu fini à 20h, voilà, super n'est-ce pas? Du coup ben j'ai fait tout ça hier, vous voyez je travaille dur pour mes abonnés hein. Donc j'ai fait tout ça hier et forcément ben j'étais occupé et puis ben là-dessus quand t'es occupé à faire ça t'as pas grand chose à raconter hein, voilà. Et puis après à 20h je me suis mis à faire du DP, je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai fait hier. DP qui avance vraiment bien, mais tant mieux, parce que finalement, ben, je veux avoir fini le 25, on est le 19, il reste plus que 6 jours, hein, donc petit à petit, le mois avance, et c'est bientôt Noël, on va pouvoir ouvrir les cadeaux, c'est trop cool. Je commence à être excité, vous pouvez pas imaginer, surtout quand je vois la pile de cadeaux, là, j'ai envie de... ça va être un carnage, il va y avoir du papier et du carton partout, papa va encore râler, bref... j'ai fait du DP et je vais vous montrer. Je suis toujours sur ma petite partie ici et regardez, j'ai vraiment bien avancé. Il y a encore quelques trous, hein, il y a encore du boulot, mais j'ai vraiment, vraiment déjà bien avancé, donc je suis super content. Et ça commence à prendre forme, hein, mine de rien, quand vous regardez tout ce qui a déjà été fait là, hein, ça va être trop cool quand il va être fini. Du coup, eh bien, hier, j'ai eu fini de faire tout ce que je devais à 20h. Après, j'ai fait 2 bonnes heures et demie de DP. Il était 10h30, presque 11h quand même, parce que quand j'ai eu fini mon DP, j'ai répondu aux copains. J'avais pas mal de messages sur Insta et compagnie. Et puis, après, je me suis mis dans le canapé et papa est en train de regarder... comment ça s'appelle? Maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais, ouais, ouais. C'est juste. Qui est un de mes films préférés en période de Noël. Non, donc, parce que j'avais le deuxième aussi, j'ai raté 2 fois la vidéo. Donc j'ai regardé ça avec papa. Et puis ce matin, pourquoi je ne vous ai pas parlé encore aujourd'hui? Eh bien parce que les choses se sont enchaînées et du coup bah, j'ai été pris par la journée et voilà. La journée a plutôt mal commencé puisque j'ai glandé jusqu'à 11h30. Donc la journée était bien partie pour qu'elle soit complètement glandouille et qu'on foute rien. Et après je me suis dit, oh non, on va pas rester à rien faire non plus. Du coup, après je me suis mis au boulot, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait le gros nettoyage. Corridor, cuisine, salle de bain, buanderie, toilette. J'ai fait le gros où on bouge les meubles et tout ça. Parce que bah, déjà ça devait être fait et puis comme ça on est plutôt tranquille pendant les fêtes, voilà, parce que bah, forcément on va quand même nettoyer pendant les fêtes, mais le gros nettoyage est fait et papa est devant moi en train de faire le con comme ça le gros nettoyage est fait, il faut plus le faire pendant les vacances et on est plutôt tranquille. Et puis après ça, et bien pendant que ça séchait,
J'ai mis le vlog en ligne, le numéro 6. Enfin, je l'ai mis sur YouTube, il n'est pas encore en ligne. Après ça, promener Pilou, les courses, rentrer, remettre les meubles en place, ranger les courses, ranger les médicaments. Et voilà, il est 5h30. C'est pas beau, ça ? 32. Du coup, eh bien, ça fait 24 heures que je vous ai plus parlé et malgré tout, bah, j'ai pas grand chose à vous raconter. Vous voyez, c'est pas que j'ai pas rien fait, je viens de vous le dire, mais j'ai pas fait des trucs qui appellent, qui donnent de la matière pour le vlog, quoi. C'est ça le problème. Heureusement qu'on est dans des vlogs qui durent plusieurs jours, parce que si c'était des vlogs quotidiens, on serait pas un petit peu mal barré, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Eh bien, j'ai reçu un nouveau colis, ça doit être des cadeaux de Noël. Je dis « des » parce que vu le paquet, bah, il y en a sûrement plusieurs dedans, donc je ne sais pas du tout qui c'est, mais qui que ce soit, ben, un grand merci. Hein. Vous m'avez vraiment tous vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup gâté cette année. Il y a un truc qui trimbelle dedans, donc j'espère que c'est un petit truc. Et que c'est pas un truc qui est cassé, parce que si c'est un truc qui est cassé, ça va m'emmerder. Et sinon, je me suis fait un petit achat hier que je voulais absolument vous montrer. Regardez ce que j'ai acheté. Non, c'est pas une cravate. On dirait une cravate comme ça. C'est des chaussettes. C'est des grosses chaussettes bien chaudes. Il y avait deux paires et c'était 4 euros. La deuxième paire, je peux pas vous la montrer comme ça parce que je les ai aux pieds. Attendez. Et j'ai bien chaud avec ça, elles sont super chaudes. Le seul souci, c'est qu'elles montent pas très haut. J'aurais aimé qu'elles montent un peu plus haut, mais elles sont super chaudes. Qu'est-ce qu'il y a, Pilou ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es jaloux de mes pingouins ? T'es jaloux de mes pingouins ? Et donc voilà pour les petites nouvelles. Là, comme je vous disais, il est déjà 17h37 maintenant. Et j'ai pas encore fini tout ce que je voulais finir. Et à mon avis, j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. En fait, si, j'aurai le temps. Parce que je vais le faire, parce que j'ai envie. Mais ben, ça va prendre du temps sur ma soirée. Et du coup, à mon avis, la lecture va de nouveau passer outre aujourd'hui. Hein, voilà. Alors, ce qui me reste à faire, c'est terminer la mise en ligne du vlog numéro 7. C'est monter le vlog, enfin, terminer la mise en ligne du vlog numéro 6. Monter le vlog numéro 7 pour pouvoir le mettre en ligne demain. Terminer d'écrire la chronique des crack monstres. Et tout ça en mangeant. Parce que bah, vous l'aurez remarqué, papa est en congé aujourd'hui. Hein? Il est même en congé pour 2 semaines et demie. Et bah forcément, quand papa est là, je fais un peu plus... D'abord, je fais un peu plus à manger et ensuite, on mange à heure fixe, à 6h30. Tandis que quand moi, je suis tout seul, ben, je me permets de manger parfois plus tard. Quand j'ai des choses à faire, ben, je fais tout ce que je dois faire et puis je mange. Mais quand papa est là, on mange à 6h, 6h30. Donc, il faudra trouver le temps de manger et puis voilà. Bon, j'ai dû effacer tout sur le téléphone, donc transférer les fichiers sur le PC parce qu'il n'y avait plus de mémoire libre. Je disais, quand j'aurai fini tout ça, eh bien, la mission, ça sera de faire un petit peu de... Je disais, quand j'aurai fini tout ça, eh bien, la mission, ça sera de faire un petit peu de diamond painting. Je pense que c'est ce que je disais, je ne sais plus. Bref, c'est pas très important non plus. Et donc, voilà, je pense que j'ai donné à peu près toutes les nouvelles, en tout cas les plus importantes. Et puis, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai été voir après mon cadre. Vous savez, je vous avais dit que j'irais voir au magasin de photographie, là. Et eh bien, il m'a dit qu'il n'avait pas et que du 60 x 45, c'était vraiment une taille peu courante. Mais demain, il demandera à son employé, parce que je suis tombé sur le patron, il demandera à son employé qui s'y connaît vraiment en cadre et tout ça. Et son employé fera des recherches et contactera les fournisseurs et tout ça pour voir s'ils savent trouver un cadre qui m'irait. Mais il me sonnera demain. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir
parce que même s'il trouve ça va être cacahuète le prix, parce que sur son comptoir il avait des petits cadres genre du 30x30 ou du 30x40, et déjà les petits cadres il les vendait 32 €. Donc à mon avis le grand, même s'il trouve, il va me sortir un 55 € ou un truc comme ça. Donc je vais attendre son coup de fil de demain et je verrai bien ce qu'il me raconte. Mais à mon avis, je vais aller au trafic m'acheter le grand cadre, là, le 50x70. Et je m'arrangerai pour mettre le DP dans celui-là. Voilà. Bon, là, je crois que j'ai vraiment tout raconté, tout ce que j'avais à vous raconter. Du coup, je vais vous laisser. Et première mission, terminée de mettre le vlog 6 en ligne. Voilà, les amis, je vous retrouve plus tard ou demain quand j'ai quelque chose à vous raconter. Hey, les amis, je vous retrouve. Il est 20h30. Tout pile. Et je vous retrouve pourquoi ? Eh bien, je vous retrouve parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore ouvert les calendriers de l'Avent. Et j'ai envie d'une petite douceur. Je me suis dit, tiens, je mangerais bien un petit dessert. Et je me suis dit, plutôt que de manger un gros dessert, autant manger un tout petit truc. Et donc, eh bien, autant manger ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent du jour. En plus, bon, ben voilà, si j'ai envie de manger une petite saloperie, il est grand temps, il est 20h30, et les petites saloperies, il ne faut pas manger ça trop tard. Je me mets comme ça pour vérifier la date, on est le 19. Le 19, où est le 19 ? 19, ça me fait penser que il faudrait bien que je me pèse demain, pour voir un petit peu, pour faire le petit bilan, parce que ben, ça fait de nouveau quelques jours maintenant, hein ? Oui. Donc, il serait peut-être temps. Allez, on ouvre ça tout de suite. Le 19, il est là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ah, mini, ça j'aime bien. Ça va être un bon dessert. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à mon pull? Mais il est dégueulasse. Oh là là, j'avais pas vu. Et l'autre, le 19... Le 19, il est là. Ouh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des petits fruits. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Je plais à ma mère, tu plais à mon père. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Et donc voilà, sinon concernant ma fin d'après-midi là, eh bien j'ai fait tout ce que je voulais faire les amis, j'ai réussi. C'est-à-dire que j'ai mis en ligne le vlog numéro 6, j'ai monté le vlog numéro 7, j'ai fait à manger, j'ai mangé, j'ai fini d'écrire la chronique du crack monstre. Et donc voilà, je suis plutôt fier de moi, j'ai bien fait mon petit travail et j'ai le sentiment d'avoir eu une journée... plutôt productive aujourd'hui, et donc ça c'est toujours plutôt cool à la fin de la journée quand bah, vous vous rendez compte que vous avez fait ce que vous aviez prévu, surtout, et je trouve que c'est encore, enfin je trouve que c'est encore plus, comment commencer une phrase sans savoir comment la terminer, vous commencez une phrase et là vous vous dites mais où je vais là, qu'est-ce que je raconte? Je disais, c'est encore plus satisfaisant quand vous vous dites que la journée a failli commencer. Non, ça ne va pas non plus. C'est encore plus satisfaisant quand vous vous dites que la journée a mal commencé et que ça a failli être une journée glandouille. Voilà. Comme quoi parfois il vaut mieux se dire allez non, on reste pas à rien faire, on y va, on se met en route et du coup à la fin de la journée on est satisfait. Bon là il est 20h30 donc je vais faire un peu de diamond painting parce que j'ai envie de continuer et d'avancer. Je crois que je vais faire ça 1h30-2h en regardant Prison Break. Parce que dimanche, je vous avais dit, j'ai commencé à regarder, à remettre Prison Break pendant que je faisais mes carnets. Non, c'était samedi pendant que je lisais les journaux et tout ça là. Et bah j'ai mis le doigt dans l'engrenage et l'engrenage. Du coup, dès que je fais quelque chose, je mets Prison Break. Et donc pendant que je fais le Diamond Painting, je mets Prison Break et du coup j'ai déjà fini la première saison et je suis déjà à l'épisode 2 de la saison 2. Tout va bien.
C'est pas comme s'il y avait autre chose à regarder. Donc voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve demain. Hey les amis, je vous retrouve. On est vendredi 20 décembre 2019. On est à J-5 de Noël. On va bientôt pouvoir ouvrir nos cadeaux envoyés par nos copains. Et ça va être beaucoup trop chouette. Et pourquoi je vous retrouve? Eh bien, je vous retrouve parce que c'est un vlogmas, donc il faut tourner, hein, faut y aller. Alors, je vous retrouve pour vous donner des nouvelles d'hier soir. Hier soir a été une journée, une soirée plutôt, parce que si c'est le soir, ça peut pas être une journée, vous voyez. Plutôt cool, plutôt chouette. J'ai passé une bonne soirée. J'ai fait du diamond painting comme prévu, je vais vous montrer. Et après le diamond painting, eh bien, pas grand-chose à vous raconter, je n'ai pas lu. J'ai lu, mais pas de livres, puisque j'ai lu les journaux. Il y avait quand même un petit peu de journal, puisque il y avait des articles sur l'impeachment de Donald Trump, et vous savez que moi, c'est le genre de choses qui m'intéresse. Puis j'ai lu le programme TV, puisque j'ai regardé un petit peu les programmes qu'ils proposeraient pendant les fêtes de Noël. Pas grand-chose, les films de l'après-midi cette année-ci. Il y a pas mal de dessins animés, et comme l'année prochaine, j'ai envie de commencer à me faire des dessins animés, puisque j'en regarde jamais, j'aimerais bien regarder les Disney et compagnie. À mon avis, je vais les enregistrer, comme ça je les aurai sur la télé. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait après ça? Bah, après ça, j'ai dormi, parce que mine de rien, il était déjà une heure et demie. Un truc comme ça, je vous montre le DP. Voilà ce que ça donne, j'ai fini ma partie ici, que j'étais occupé de faire. C'est fini. Et du coup, j'ai attaqué la toute dernière partie qui est celle-ci et j'ai déjà mis deux couleurs. J'ai mis le vert très foncé, presque brun, d'ailleurs c'est du brun. J'ai mis le brun et j'ai mis le blanc. Et donc voilà les amis, j'ai plus que ce petit bout là à faire et mon DP sera fini. Si c'est pas beau ça, hein? C'est pas magnifique? Donc je suis trop content. Je vais pouvoir avancer aujourd'hui puisque on a discuté un peu avec papa et on a décidé qu'aujourd'hui ça serait un petit jour de glandouille. Surtout que papa n'est pas en forme en ce moment, donc ça va lui faire du bien aussi de passer une petite journée tranquillou. Et voilà, et demain, on fera tout ce qu'il y avait à faire. Normalement, il y a des lessives à faire, demain, il y aura les courses à faire. Enfin bref, demain, ça sera une journée un peu plus productif. Mais aujourd'hui, on va la faire tranquille et détendue. Du coup, aujourd'hui, il faut que je vais continuer mon DP. Il faut que j'avance. Ça serait bien que je le finisse ce week-end. Je sais pas si c'est faisable, mais ce week-end ou lundi, j'aimerais avoir fini. Comme ça, je vais acheter le cadre dimanche ou... Enfin non, dimanche, c'est fermé. Quoique le trafic est ouvert le dimanche, pendant le décembre. Enfin, bref, j'irai chercher le cadre dimanche ou lundi. Mettre le vlog numéro 7 en ligne. Et puis peut-être lire un petit peu. Et puis voilà, le programme de la journée. Il faudrait bien que je pense à commencer à faire les listes des courses... dont on a besoin pour le réveillon, parce que mine de rien, ben, c'est mercredi le réveillon déjà, on est déjà vendredi, donc si on veut faire ça tranquille ou détendu, sans trop se prendre la tête et sans trop stresser, eh bien il faut plus trop attendre, hein, voilà. Sinon, ben, je pense que c'est tout, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors le 20... Le 20, il est là, le 20. Ah, c'est un Kinder Mini, chouette! Ça, j'aime bien. Et côté bonbon, le 20, il est là. Ouh! C'est des petites tututes. Turlututute. Et sinon, regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Trop cool, regardez. Petite enveloppe.
Mais pas n'importe quelle enveloppe, puisque ça vient de... Hugo ! Le premier livre du partenariat 2020 est arrivé. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Et bah, on va ouvrir ça en vitesse parce que... Parce que bah, là, je ne peux plus tenir, là. Hein ? Je ne peux plus... Je ne peux plus attendre. Oh, on a des petits goodies. On a des petits goodies. Oui. Oh là là, on est gâté. On est gâté, regardez-moi tout ça. Donc il s'agit du tome 3 de la saga Cooper Training, qui s'appelle donc Harry, de Maloria Cassis. Normalement, je peux vous mettre le résumé, parce que c'est un tome 3. Ouais, c'est un tome 3, mais ce sont des tomes compagnons, donc normalement, ça ne spoil pas. Voici, voilà. Et je suis trop content, et du coup on a reçu un petit bracelet avec Face Courage. On a reçu des petits stickers qui disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça à l'envers. Fight for the cure et Hope Love Cure Face. Et ça sonne très Octobre Rouge tout ça. Octobre rouge, octobre rose plutôt. Et une petite carte avec à l'arrière un petit mot de Maloria Cassis. Je suis trop content. Hein, donc le thème, ça va être le cancer. Donc ben voilà, trop content. Premier envoi de chez Hugo et c'est trop cool. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, ça sort le 9 janvier. 9 janvier 2019. Trop content. 9 janvier 2019. 9 janvier 2019. 9 janvier 2020. Je vais y arriver. Donc voilà pour les nouvelles en ce vendredi matin, les amis. Là, je vais vous laisser et je pense que je vais mettre en route le vlog numéro 7. Et pendant que ça cherche sur YouTube, je vais faire un petit peu de diamond painting. Voilà. Hey, allez, les amis, je vous retrouve en ce vendredi soir. Je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et je vous retrouve pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Eh bien, écoutez, pas énormément de choses, mais plus que prévu tout de même, puisque eh bien, j'ai fait de la lessive, alors que bah, je vous avais dit tout à l'heure que je ne le ferai pas aujourd'hui, que ça sera pour demain. Finalement, je l'ai fait parce que je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de lessive à faire. Et je me suis dit, attends Ludo, si tu fais pas au moins une machine aujourd'hui, demain tu vas passer ta journée à ça. Parce que bon, d'accord, pendant que ça lessive tout seul, t'as pas besoin de rester devant. Mais après, il faut tout ranger, le linge et le machin et le bidule et le bazar. Donc j'ai quand même fait un peu de lessive aujourd'hui parce que je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas tout faire demain. Donc j'ai fait ça, par contre j'ai pas rangé le linge. Donc voilà, mais au moins on a quand même du linge propre. Enfin, c'est pas qu'on en avait plus avant. Mais voilà, il y a au moins deux machines qui ont tourné, donc ça c'est plutôt pas mal. Une plus grosse, une plus petite. C'est toujours ça de prix. Demain j'aurai plus qu'à plier et repasser et... Bon, un jour de la semaine prochaine, on fera, je ferai le reste, voilà. Parce que le reste, c'est tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est essuie de bain, ça se dit comme ça, hein, essuie de bain. On avait retiré toutes les nappes là, enfin toutes les napperons, enfin tous des trucs comme ça qui c'est pas urgent, donc voilà. Et puis quoi d'autre? J'ai mis le vlog numéro 7 en ligne. Enfin, en tout cas, il est presque en ligne. Il manque 2% de traitement et il sera en ligne.
Et puis j'ai surtout fait du diamond painting, et puis j'ai fait les courses, et puis c'est plus ou moins tout. Je vous l'ai dit, en ce moment, c'est pas du tout passionnant les vlogs, mais je vous avoue que j'ai déjà pas une vie trépidante en temps normal, mais là, ça tombe plutôt mal, parce que de une, je suis omnibulée par le DP, je n'ai envie de faire que ça, et d'avancer sur mon DP, et de l'avoir fini, et de deux, je suis un petit peu en panne de lecture en ce moment, donc je ne lis pas. Donc voilà, il y a les planètes s'alignent pour que les vlogs soient pas d'un intérêt extrême. Mais bon, écoutez, hein, voilà, hein, comme je le dis depuis le début du mois, je ne vais pas m'inventer une vie pour faire joli sur les réseaux, hein, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, il me reste à vous montrer mon avancée sur le DP. Et le voici, le voilou. Je vais allumer la tablette lumineuse pour que ça se voit un petit peu plus. Merde. Et voilà ma petite avancée. Vous voyez comme quoi j'ai quand même bien pas mal avancé. Donc je suis assez content de l'avancement et de moi. Hein, puisque bon, bah, l'avancement c'est grâce à moi quand même. Et il doit me rester, je sais pas, une petite dizaine de couleurs à mettre. Et après, il sera fini. Et je vous avoue que, enfin, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit fini et qu'on voit enfin le résultat complet et tout. Parce qu'à mon avis, ça va juste être canonissime. Et puis, regardez comme ça brille. Moi, j'adore. Franchement, je trouve ça trop beau. Et donc bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Ouais. Là, on est en soirée, je sais pas si je vous ai dit quelle heure il était, il est 20h09 et je vous avoue que ben j'ai pas envie de faire de diamond painting, j'ai pas envie de rester assis, j'ai envie de me mettre à mon aise dans le canapé. Donc je vais me mettre à mon aise dans le canapé puisque bah pourquoi il ne faudrait pas suivre ses envies. Suivons nos envies. Donc je vais me mettre dans le canapé et je vous avoue que j'ai en tête de lire. J'ai très envie de lire ce soir. Donc c'est ça le programme. Maintenant, j'ose plus dire que je vais lire parce que je le dis tous les jours et tous les jours je ne lis pas. Donc j'ai très envie de lire, donc je vais essayer de lire. Je n'ai pas encore parlé à papa, donc je ne sais pas s'il va regarder la télé ou si je mettrai 24 heures, ça dépendra de lui. Et puis voilà, je pense que je vais passer ma petite soirée bien tranquillou comme ça. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est répondre aux commentaires parce que je crois que j'ai de nouveau un petit peu de retard. Donc c'est ce que je vais faire. Écoutez, je pense que le programme, ça va donc être d'aller me doucher, me changer, m'installer, répondre aux commentaires et lire. Et mes cheveux, c'est une catastrophe. Ça, vous savez ce que c'est? C'est quand je mets mon bonnet quand je sors, et après quand je retire mon bonnet, ça tire mes cheveux, et comme j'ai un épi, en fait moi j'ai deux épis, j'ai un épi ici, et j'ai un épi là. Et donc, quand je me lave et que je me coiffe, ça tient, mais dès que pendant la journée il y a un truc dans mes cheveux, l'épi prend le relais, et hop, c'est foutu. Voilà. Je suis condamnée à ne pas mettre de bonnet et surtout je suis condamnée à ne pas passer mes mains dans mes cheveux parce que l'épi en profite et pof, voilà. Bref, allez, je vous laisse du coup et je vous retrouve demain. Demain qui sera sûrement une journée pas très passionnante non plus parce que il y aura les courses, ranger le linge que j'ai nettoyé aujourd'hui, continuer le DP, enfin bref, ça sera pas une journée passionnante non plus, mais bon. Voilà, je vais arrêter de m'excuser que ça soit pas passionnant, hein. C'est comme ça, si vous êtes là, je suppose que ça vous plaît. Et allez, les amis, je vous retrouve pour continuer ce 8e Vlogmas, on est samedi 21 décembre et il est déjà 17h50, il était donc grand temps que je vous donne des nouvelles, mes cheveux en font de nouveau qu'à leur tête, comme disait une amie que j'ai vue tout à l'heure, on dirait une perruche, voilà. Alors comment allez-vous? Eh bien moi ça va plutôt bien, j'ai passé une journée assez bizarre aujourd'hui. Alors elle a très mal commencé dans le sens où je me suis réveillée, mais alors je sais même pas si on peut appeler ça réveillée parce que ce matin j'étais vraiment pas bien.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais une tête comme ça, j'étais complètement endormie. Vraiment la tête comme si j'étais dans de la mélasse, comme ça, impossible de me réveiller. Je ne sais pas. Pourtant, je ne me suis pas levée pendant la nuit. Est-ce que j'ai mal dormi, etc. Je ne sais pas. Mais alors, ce matin, c'était vraiment, vraiment très compliqué. D'ailleurs, je n'ai pas su me lever. Je suis restée à zoner dans mon lit. Enfin, voilà, c'était vraiment pas bien. Et après, je me suis levée et la journée s'est déroulée. Et voilà, donc quand je me suis levée, j'ai juste eu le temps de faire une heure de DP. Et après, il a été temps de se bouger. Donc, j'ai promené Pilou, on a été faire les courses. J'ai fait moitié course normale pour ce week-end et moitié course pour le réveillon. Et puis on est rentré, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé les courses forcément, et comme c'était des grosses courses, eh bien c'était un gros rangement et donc ça a pris du temps. J'ai plié, repassé, rangé le linge que j'avais lessivé hier. J'ai rangé un peu l'armoire où on range les vêtements, la commode. Bref, voilà. J'ai pas vraiment eu d'après-midi. J'ai eu une après-midi tâches ménagères. Et en fait, la journée a été bizarre parce que là, ça commence à aller mieux, mais pendant 2-3 heures, je me sentais pas bien. Je me sentais... comment expliquer ça? Je me sentais oppressée. Vous voyez, c'est... et je pense que c'est à cause de mon côté stressé et anxieux. Et j'ai l'impression, vous voyez, d'être oppressée par tout ce qu'il y a à faire. Alors, ce qu'il y a à faire d'habitude, hein, les tâches ménagères, ce qu'il y a à faire pour la maison, machin bidule, et à ce qu'il faut faire pour le réveillon, et ce qu'il faut faire pour les vlogmas, et ce qu'il faut faire pour ci, et ce qu'il faut faire pour là. Et en fait, quand on y réfléchit bien, il n'y a aucune raison de se sentir oppressée, parce que, de une, quand on regarde, il n'y a pas tant que ça à faire. Hein, je ne suis pas débordée non plus. Tranquillou, tranquille. De deux, on n'est que papa et moi, donc relax. Et de trois, même si y a du linge qui traîne ou de la vaisselle qui traîne ou que quelque chose n'est pas fait, mais je m'en fous, je suis tout seul chez moi avec mon père. Mais c'est pas mon père que ça va déranger. Hein. C'est le premier à me dire, si t'as pas envie, laisse, tu feras demain ou laisse tranquille et tout ça. Et voilà, et même si quelqu'un viendrait à la maison, moi je considère toujours que je suis chez moi, et s'il n'est pas content, il retourne chez lui, hein, voilà. Donc il n'y a pas de raison de se sentir oppressé, de se sentir vite, mais voilà, je ne peux pas m'en empêcher, et c'est comme je ne peux pas m'empêcher de rester, enfin... J'arrive pas à rester relax, à rester tant pis, ce qui n'est pas fait, ça sera pour demain, etc. Je me sentais vraiment oppressée tout à l'heure. Maintenant, ça va mieux parce que j'ai eu l'après-midi, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça va. Mais c'est complètement débile parce que, vous voyez, je dis j'ai fait ce qu'il y avait à faire, mais il n'y a rien à faire. Enfin, je le fais si j'ai envie de le faire, et puis c'est tout, je suis chez moi, je suis tout seul, qui est-ce que ça dérange, vous voyez? La vaisselle, je l'aurais fait demain, ranger le linge, je l'aurais fait demain, c'est tout. Mais non, je me sens obligée de le faire. Les vlogmas, c'est la même chose, le montage, mettre en ligne, préparer les concours, parce que j'aurai une quinzaine de lots à vous faire gagner, etc. Relax. On n'est pas obligé de le faire, alors je veux absolument que ce vlog-ci soit en ligne demain pour être en ordre, parce qu'à partir de lundi, les vlogs quotidiens commencent. Je me sens pas obligé de le faire, mais il faut le faire, il faut que ça soit fait, mais pourquoi il faut? On s'en fout, enfin, je veux dire, si je ne mets pas ce vlog-ci en ligne dimanche, je le mettrai lundi en ligne. Et lundi, il y aura deux vlogs. Et tout le monde regardera peut-être pas les deux vlogs, mais chacun regardera les vlogs à son aise, quand il en a envie, etc. Enfin, vous voyez, c'est mon côté anxieux et stressé. Il faut que ça soit fait, il faut faire ci, il faut faire là, il faut... Et à un moment, voilà. Et c'est là que je me dis que... Je supporterai pas un Noël
avec du monde. Alors, si je supporterais le monde, si j'étais invité, si voilà. Mais moi, recevoir du monde pour un réveillon ou un truc comme ça, je crois que j'y survivrais pas, quoi. Enfin, je serais une boule de nerfs du début à la fin. Enfin, il faudrait que je sois moins anxieux, moins stressé. Il faut que j'apprenne à lâcher prise, quoi. Relax, Ludo. Bref, à part ça, et regardez ce que j'ai été acheté. J'ai été acheter mon cadre photo pour pouvoir mettre mon DP. Eh ouais, j'ai été l'acheter aujourd'hui parce que j'avais prévu de faire ça demain. Le seul souci, c'est que j'ai pas fini mon DP et que je ne sais absolument pas si je le ferai ce soir parce que ben, je vous avoue que là, j'ai les sentiments qui redescendent, là, tout doucement, la vapeur descend, et je sens que j'aurais bien besoin ce soir de me mettre dans le canapé, et voilà. Mais tel que je me connais, encore une fois, bah, ce soir, je vais vouloir me mettre dans le canapé, et je vais me dire, non, on peut pas, hein, il faut terminer le DP, parce qu'il faut le mettre en cadre demain, parce que si, parce que là, et il faut faire le montage de la vidéo, parce que demain, elle doit être en ligne, enfin... Il y a des jours où je m'épuise, voilà, parce que je stresse quotidiennement, tout le temps, pour tout, et c'est parfois difficile à vivre. Voilà. À part ça, quoi d'autre à vous annoncer? Ben, pas grand-chose, je vais vous montrer où j'en suis dans le DP. Voilà où j'en suis, les amis. J'ai mis, je crois que j'ai mis deux couleurs au matin, mais je vous ai dit, hein, deux ou trois, mais je vous ai dit, je n'ai fait qu'une heure ce matin. Donc voilà. Et les bords, je crois que je vais vraiment les couper demain, parce qu'ils sont tellement dégueulasses que ça va pas me plaire si je laisse ça comme ça. Donc je pense que je vais couper au cutter tout le long des paillettes, parce que pas trop près pour être sûr de pas les décoller, mais quand même couper un bout, parce que c'est dégueulasse. Regardez ça. Il y a des traces tout partout. Ça ne me plaît pas, donc... avec le cutter, hop là. Et bah, je mettrai la latte contre les diamants et je couperai. Comme ça, il y aura quand même l'épaisseur de la latte. Il y aura un millimètre ou deux pour être sûr que je ne retire pas la colle là où il y a les diamants, parce que c'est pas le but non plus. Et donc, eh bien là, il est 18h, ben, il va être l'heure de faire à manger, et après je ferai le montage, et après je ferai le diamond, et puis voilà. Je suis pas bien ce soir. Et du coup, ben, ma mission ce soir, ça sera de faire un peu de montage, un peu de diamond, tout en essayant de sentir mes besoins et de respecter mes besoins et de me dire à un moment, bah, si j'ai plus envie, j'arrête et je vais dans le canapé. Et puis, j'ai oublié de vous dire, hier soir, j'ai lu un petit peu les sœurs McBride, enfin, les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Je suis arrivée page 85, et j'aime beaucoup, voilà. Alors c'est à fond du Sarah Morgan, hein. Quand on en a lu plusieurs, on reconnaît tout de suite son style et tout. On a découvert, donc j'ai terminé le deuxième chapitre qui était consacré à la deuxième sœur qui s'appelait Anna, que j'aime pas du tout pour le moment. Et puis j'ai lu le troisième chapitre qui était consacré, enfin le troisième ou le quatrième, enfin le chapitre suivant qui était consacré à la troisième sœur qui s'appelle Polly. Pour le moment, je retiens qu'elles sont toutes un petit peu, elles sont heureuses sans l'être vraiment. Je trouve qu'il y a des trucs qui les tracassent. Et parfois, je comprends pas forcément pourquoi elles se tracassent pour ça, parce que bah, c'est genre... Ben, y en a une qui est célibataire et qui veut le rester. Il y a Anna, là, que je vous disais, qui n'est pas très, très sympathique. L'autre sœur qui s'appelle Bess,
Elle, son problème, c'est que ben elle travaille pas là. Elle aimerait travailler, mais elle doit s'occuper de ses filles et son mari travaille déjà beaucoup et on sent qu'elle est déchirée entre son besoin d'être présente pour ses filles, etc., et son besoin de travailler parce que ben on sent qu'elle supporte pas fort de rester sans travailler. Donc on sent que ça va être intéressant parce que ben les trois sœurs sont pas forcément super méga malheureuses, mais on sent quand même qu'il manque quelque chose pour leur équilibre. Et sinon, oui, je vous avais dit qu'on sentait qu'il s'était passé quelque chose de grave il y a des années et que ça avait marqué tout le monde. On l'a appris. Et en effet, on comprend pourquoi ça a marqué tout le monde. Par contre, je trouve que l'autrice nous le dit vachement tôt. Je trouve qu'elle aurait dû attendre parce que là, 85 pages, on le sait déjà. J'aurais aimé qu'il y ait ce petit mystère, cette petite question, ce questionnement. Tout au long du livre, quoi, qu'on essaye de deviner par nous-mêmes et puis qu'on ne soit pas sûr, etc., etc. Là, on le sait déjà. Bon, c'était un petit peu tôt, je trouve. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire encore ? Ouvrir les calendriers de l'Avent ? Le 21, il est là. Oh, cool. Je suis trop content. Et niveau bonbons, 21. On a droit à des petits bonhommes en pain d'épices aujourd'hui. Voilà. Enfin, en bonbons. C'est les images, quoi. Et voilà. Bon, du coup, je réfléchis un petit peu si j'ai autre chose à vous raconter. Je ne pense pas. Et non, je pense que c'est tout. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Hein, il termine un petit peu... On sent à ma voix et à mon attitude que... Hein, mais bon, j'espère qu'il vous aura plu tout de même. J'espère que vous auriez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.